sauvegarde du patrimoine de Saint-Louis, l'État sénégalais en opération sauvetage. Plus ancienne ville construite par les Français en Afrique de l'Ouest, Saint-Louis, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, court le risque de voir d'ici peu son ensemble architectural disparaître au profit de nouvelles constructions. En effet, le bâti historique est menacé. Pour endiguer ce phénomène, l'État du Sénégal a décidé d'arrêter l'ensemble des constructions et des aménagements au sein de la localité. Un recensement du patrimoine privé et administratif est également prévu. 1 milliard de francs CFA pour la réfection de la gouvernance et de la mosquée du Nord ont récemment été octroyés à la ville. De son côté, la mairie a décaissé 250 millions de francs CFA pour permettre à Saint-Louis de conserver cette architecture tricentenaire. Nous n'allons pas attendre que Saint-Louis soit déclassé pour réagir. Des mesures seront prises pour arrêter les constructions anarchiques et la destruction des maisons historiques. Nous avons le souci de préserver le patrimoine matériel de Saint-Louis. Aujourd'hui, des maisons et bâtiments administratifs construits au XVIIe et XVIIIe siècle qui ont une valeur architecturale extrêmement importante sont menacés. Parmi les griefs soulevés par l'Institution des Nations Unies figure l'absence de plan de conservation, ainsi qu'un projet urbain, un désastre environnemental et le manque d'entretien de nombreux sites. Saint-Louis risque depuis 2007 d'être déclassé de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjà, en juin 2008, un plan de sauvegarde et de mise en œuvre du patrimoine a été élaboré et approuvé par décret présidentiel dans le but d'arrêter la dégradation de Saint-Louis. En application depuis, ce plan était chargé de réglementer les travaux, les constructions ainsi que tous les aménagements urbains. On arrive aujourd'hui à cette menace qui risque d'être mise à exécution. Il suffit de traverser Saint-Louis pour se rendre compte des problèmes d'insalubrité qui se posent, des problèmes liés à l'environnement qui est totalement malsain aujourd'hui. Le fleuve Sénégal est pratiquement devenu une poubelle. Et c'est ça, les infrastructures manquent, l'entretien des bâtiments laisse à désirer. Et tout ceci contribue encore une fois à faire de Saint-Louis une ville qui est loin des prétentions qu'elle pouvait avoir, qu'elle légitimement. Un programme d'urgence de réhabilitation du patrimoine matériel de la première capitale sénégalaise est en marche. Certains sites vont être rénovés à l'instar de la grande mosquée de Saint-Louis. Au mois de mars ou d'avril 2017, une commission de l'UNESCO sera envoyée à Saint-Louis afin de voir le niveau de mise en œuvre des résolutions prises. C'est à Cracovie, en Pologne, en juin 2017, que le comité de l'UNESCO se prononcera définitivement sur une inscription ou non de Saint-Louis sur la liste du patrimoine en péril.